Et salut à tous et à toutes, c'est Anthony256 aujourd'hui, donc vous ne me voyez pas trop, si là vous me voyez, on se retrouve pour un unboxing du Thrustmasters T300RS, je vais essayer de le lever, voilà, T300RS pour PlayStation 4, PC, PS3, même si, je sais pas si vous allez voir, c'est, ah non vous allez pas voir, c'est le côté, je suis bête, c'est marqué PS4, PS3, pourquoi je l'ai pris, parce que, comme vous le savez, après le confinement, j'ai cassé deux volants sur trois. Donc un Thrustmasters, mais lui, on peut changer les pédales. La roue que vous voyez, donc tout le cercle que vous voyez par là, là tout le cercle là, voilà. Et, écoute, on va passer directement au unboxing. Je suis désolé si vous voyez pas énormément ma tête, sauf si je fais ça. Et voilà. Voilà, si je fais ça, vous voyez ma tête. Donc voilà. Et oui, j'enregistre avec OBS. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà ouvert. Pour l'instant, pour unique raison. Voir s'il y avait bien tout. Donc c'est pas un unboxing pour moi. Mais pour vous, c'est un unboxing. J'aime bien regarder s'il y a tout dedans, s'il ne manque rien. Parce qu'il suffit que je l'ouvre. Et par exemple, je sais pas, j'ai une connerie. Il manque la roue. Ah! Merde alors, tu vois. Donc. Voilà. Ouh. Hop. Attendez, ça peut-être me... Ouais, ça va me gêner, je vous décale juste un tout petit peu. Voilà. Donc. D'accord. Bref. Vous avez la prise d'alimentation du volant. Alors, moi déjà, qui n'a pas beaucoup de prises. Ah si, je vais peut-être trouver. Dans ces vidéos, vous allez avoir le bouncing, l'installation. Je vais vous montrer comment j'ai installé et le test. Donc voilà. Si je peux le tester. Hein. Sinon, s'il n'y a pas le test, eh ben, ça va être compliqué. S'il n'y a pas de test, c'est pas grave. La notice T300RS. Je vais tout mettre par terre. Là, voilà. Je vais tout mettre ça là. La roue. Donc oui, ça, c'est une roue. On ne dirait pas la roue, vous savez, un peu comme dans... Comme dans Tati, là, quand il enlève. En fait, c'est ça. Je crois qu'il faut tirer et... Écoutez. Attendez. Écoutez bien. Donc, voilà. Regardez. Et par contre, elle pèse son poids. Elle pèse son poids. Et aussi, je vais voir. Bientôt, je vais peut-être m'acheter une roue F1. Et une roue un petit peu plus grande pour m'habituer aussi. Là, vous avez la petite vis pour la pince. Donc, voilà. Voilà. Non, pas comme ça. Comme ça, c'est mieux. Parce que là, on dira... voilà. Bref. Voilà. Vous avez un joli carton de la marque Carton. Du joli polystyrène de la marque Polystyrène. Bref, là, même la pince a été pas mise. Ok. Il n'y a même pas de pro, il n'y a même pas de. De protection. Bah, bref, pour éviter que ça bouge. Là, vous avez la pince. Donc, voilà. Je vais commencer par la base du volant. Waouh! Wow, je vous jure, avec moi! Voilà la base du volant. Attendez. La base du volant, la voilà. Je crois qu'elle est un peu plus grosse que mon Thrustmasters Ferrari, je crois. Je vais regarder ça tout à l'heure. Donc la base du volant. Là, vous voyez sous le plastique, mais une fois déballé, bah, vous verrez, il y aura plus de plastique. Du polystyrène, de la marque polystyrène. Désolé si des fois vous m'entendez comme ça et des fois comme ça. D'accord, c'est juste que je voulais prendre avec ma caméra, mais ma caméra a plus de batterie. J'ai dit, allez, on va essayer avec OBS et le micro. Et là, ah mais les pédales aussi, putain, elles pèsent. Là, vous avez le pédalier Thrustmasters. Alors, je vais juste le déballer. Voilà, hop, hop. Écoutez. Je sais pas si ça fait du bruit.
La vache, par contre, si c'est le frein, ça... Putain! Eh, regardez, juste mon visage. C'était pour forcer... Oh la vache! Donc, eh ben... Donc, plutôt, bah écoutez, je vais monter tout ça, et on se retrouve pour la petite installation. Ah non, alors, donc... Pardon. Donc, hop, on va faire comme ça, on va faire un truc comme ça. Regardez, hop, et... Je déballe, hein, vous en faites pas. Allez, pas venir. Voilà. Et voilà. Donc, par contre, pour le volant, je crois qu'il va falloir que je m'achète des petits gants. Oh, j'adore. Ça s'entend à peine, écoutez. Et ça slips comme ça, je crois. Voilà, en gros, ça donne ça. Je disais, du coup, et ben, on va passer au montage. Et pour ceux qui disent, ouais, t'as investi dans tout, n'importe quoi, que je t'explique. J'ai le volant PS4 qui va sur F1, mais avec du mal. En gros, si quand je tourne le volant, par exemple, bah tiens, je fais ça avec le volant, hop. Et eh ben la F1 ne tourne pas. Elle tourne quoi, 2 secondes après. C'est pas un problème de calibrage, c'est juste que mon volant PS4 n'est pas fait pour le PC. Je me suis renseigné. Transmaster font PC PS4. C'était marqué PC PS4 sur l'article de vente. Du coup, j'ai dit je vais le prendre. Et comme vous voyez, la roue est déclenchable. Donc, à tout moment, je peux changer de roue. Les pédales, c'est pareil. Donc, et eh ben maintenant. Place au montage. Fini le montage du T300 RS. J'ai galéré pour mettre la roue, mais je vais vous montrer ça direct. Donc voilà. Donc là, vous avez la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. T'as l'impression que tu fais du drift, mec. Je te jure, regarde. Ah, sauf là. Voilà. Bref. Donc, le Thrustmaster est composé de une prise d'alimentation située ici, que tu dois brancher sur une prise pour alimenter le Thrustmaster. Pourquoi? Parce que si tu veux, là-dedans, il y a un retour de force qu'on sent bien. Ensuite, bah là, vous avez une petite palette. Écoutez, font moins de bruit que celles qui sont là-bas. D'ailleurs, on peut voir qu'il est plus grand. Bref. Voilà. Et ensuite, vous avez bah, ce câble-là, pour les pédales que tu peux régler en hauteur. Donc, juste ça. Donc, moi, je vais essayer de trouver un système pour le fixer. Pour l'instant, il ne fait qu'avec ça. Ouais, mec, on fait comme on peut. Hein. Écoute, ah, voilà. Donc là, tu as la pédale de frein. Là, tu as la pédale d'accélérateur, si t'es pas con. Hein. Et en gros, tu enlèves les vis. Et par exemple, tu peux monter la pédale ou bien la descendre. Et le volant se branche, comme tout maintenant presque, en USB. Donc voilà, en USB prise téléphone, moi j'appelle ça le chargeur. Et puis bah voilà, si t'as aimé cette vidéo, attendez. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, le like. Oui, j'ai encore du pouce bleu, le like. Lâchez le pouce bleu, le partage, l'abonnement. Parce qu'on va bientôt vers les 700, je compte sur vous. On fait les 700 avant le prochain confinement, je pense. Non, je rigole. Parlons pas de malheur, d'accord? On parle pas trop de malheur, ce serait mieux. Mais je compte sur vous pour qu'on atteigne les 700 abonnés. Surtout en ce moment, je vais essayer de vous faire des vidéos qui vous font plaisir. Donc voilà, si tu as des idées de vidéos, donnez-moi en commentaire. N'hésitez pas à suivre mon Instagram et rejoindre mon Discord qui est en description et de lire le règlement du Discord, c'est vraiment important. Et sur ce, c'était Anthony. Ciao.